Non, mais j'ai plus ma gueule. Bonjour, on est le 14 décembre. On est allé faire un tour pour voir la boîte à livres qui a été installée il y a 2 jours et on l'a inaugurée parce que du coup il n'y avait rien dedans. Il reste encore plein de pommes, on est dans le jardin de l'église là et il y a encore plein de pommes par terre. Non. Alors il y en a plein qui sont pourries mais il y en a encore qui sont bien. Tiens maman, garde mon écharpe s'il te plaît. Alors ce matin j'ai fait des gougères avec un vieux fromage qui puait et... Il n'était pas vieux, ouais. Toi qui trouvais qu'il puait. Il était tout sec, c'était de la bûche de chèvre et je mange pas de bûche et... voilà, mon mari a acheté ça parce que je mange pas de vache mais je mange pas les bûches. Donc en gougère tout le monde a mangé, il n'y avait pas de problème. Au goûter je fais des pancakes et ce soir je fais un curry de courge musquée. J'ai commencé à faire un homard en crochet. Donc là, quand on va rentrer, je vais finir ça. Et il est 2h. Je vais faire cuire des pommes. Les filles, elles vont travailler sur le truc de Noël. Non, mais prends-en des... Non, mais pas que celle-là. Prends des séchées, là. Il y a déjà des pommes super séchées. Hop. Elles sont séchées, celles-là. Elles sont toutes noires. Toutes noires. Il n'y a personne qui les prend. Je vous avais déjà montré que qu'on venait ramasser, mais en fait j'ai commencé à venir trop tard. Et... J'aurais fallu que je vienne l'année prochaine, je viendrai beaucoup plus tôt et plus régulièrement. Et il me faudra plus de bocaux pour faire de la compote. C'est l'avant-dernier jour que je me rends compte qu'il faut que je change de côté quand je filme le soir pour voir quelque chose. J'ai fini. Alors. C'est un homard, sauf qu'il est minuscule, donc on va dire que c'est une écrevisse. Il est super simple à faire et super rapide. Sauf que comme je croyais qu'elle s'était trompée, je trouvais ça bizarre de faire que 4 pattes. Donc j'ai tout doublé. Et du coup non, parce qu'en en fait on fait une chaînette et on fait des mailles coulées dedans. Et après on la rentre à l'intérieur du ventre. Ah, et les pinces, c'est un espèce de triangle qu'on replie pour faire les pinces. Bon, j'ai pas mis des yeux, je pense que j'aurais pas eu des yeux à la bonne taille, ça aurait été trop gros. Donc j'ai juste fait un petit point. Et du coup j'ai le double des pattes, donc je vais peut-être en refaire un autre. J'ai pas montré les tableaux, mais du coup je le ferai peut-être demain si j'y pense. Et puis je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire après. Le but étant de faire une vidéo par semaine, mais pas de faire que des vlogs, sinon voilà, ce sera tout le temps pareil. Je me dis, si je fais un vlog par mois, un truc genre une journée dans mon assiette, après un truc à thème spécial, je sais pas, une fois je fais Fly Lady, une fois je fais... Je vais pas parler d'IEF parce que j'ai déjà fait plein de fois. Mais voilà, faut que je trouve un tuto. J'ai toujours le truc sur les couches qui est en attente parce que j'ai filmé une partie et j'ai pas fini. Faut que je me dépêche avant d'avoir oublié comment on se sert des couches. Voilà. Voilà, je serai dis. Enfin, je suis ouverte à toutes vos idées et je lancerai des questions sûrement. Il y a ça et il y a un autre truc. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, sur le groupe de l'EDA, il y a quelqu'un qui a proposé de faire un direct tous les jours. Alors, elle fait à 17h, je crois. Après, j'ai pas vérifié comment elle a fait, si elle l'a fait. De faire un direct de 10 minutes tous les jours pour parler d'IEF. Et comme ça, que ça nous... Enfin, ça ferait venir du monde. Alors, moi, j'ai 6800 personnes sur ma page Facebook et quand je fais un direct il y a 70 personnes, donc je suis pas sûre que ce soit vraiment efficace. Mais je sais pas, peut-être que je peux faire ça genre le matin quand on travaille à 11h par exemple, faire 10 minutes de direct pour montrer un peu et pour répondre aux questions.
Mais il faut que ce soit partagé et si mes enfants apparaissent, et ben je pourrais pas le laisser en ligne. Donc voilà. Je sais pas trop. Je sais pas si c'est intéressant ou pas. Donc à voir, à réfléchir. Et voilà. Bon, après, je reprendrai sûrement des directs. Vous me dites si vous me suivez sur où? Soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit sur les deux, soit que sur YouTube. Que je sache un peu où il faut que je fasse quelque chose. Sur Instagram, j'ai jamais trop fait de direct. J'ai fait que sur Facebook. Sur YouTube, j'ai essayé une fois et ça n'a pas marché, mais maintenant j'ai compris pourquoi. Voilà, en sachant que j'ai un téléphone et un ordi, donc je peux faire avec l'ordi sur Facebook, mais c'est pas de la super qualité. Et mettre en même temps sur Instagram avec le téléphone. Et j'ai une tablette, mais elle est vieille, et du coup, il y a plein de trucs qu'on peut plus mettre dessus, donc je sais pas si ça peut marcher. Voilà, c'est encore une proposition. En janvier, on reprendra les mercredis après-midi ou un autre jour d'ailleurs pour coudre, tricoter, discuter ensemble sur Zoom ou je sais pas quoi. Google Meet peut-être c'est mieux pour parce qu'il n'y a pas les 40 minutes. Bah alors pas forcément le mercredi, hein. Pour l'instant les activités elles reprennent pas le 15 comme enfin pour nous. Non, la céramique, j'ai pas de nouvelles, mais le dessin, ça reprend pas. Enfin, la MJC ne nous rouvre pas. Ils font un CA le 8 janvier pour savoir s'ils reprennent le, je sais pas quoi, 12. Donc on sait pas. Mais bon, le mercredi après-midi, du coup, si y a les activités, je pose les filles à 2h. Et du coup, je suis à la maison à 2h15. Donc comme on faisait, je sais plus quand, il y a quelques mois. Faire un direct de. Enfin, un direct. Un papotage de 2h15 à 3h30. Parce qu'à 3h30, je repars pour la céramique. Voilà. Je pense que j'ai dit le principal. Il est 6h, je viens de lancer le riz et voilà, je vais faire un peu de couture secret encore. À demain.